suivre les différentes actualités en Algérie, abonnez-vous à notre chaîne. La Fédération algérienne de football, FAF, a introduit auprès de la Fédération internationale de football association, FIFA, un recours à l'encontre de l'arbitrage scandaleux ayant faussé le résultat du match barrage retour Algérie-Cameroun disputé le 29 mars 2022 au stade du Chaïd Mustapha Tchaké de Blida. La FAF est déterminée à user de l'ensemble des voies légalement permises pour se faire rétablir dans ses droits et rejouer la rencontre dans des conditions garantissant l'honnêteté et la partialité de l'arbitrage, affirme la FAF dans un communiqué récemment rendu public. La FAF demande également l'ouverture d'une enquête par les organes de la FIFA pour faire toute la lumière sur l'arbitrage du match Algérie-Cameroun. Arbitrage Algérie-Cameroun, une plainte contre Gassama remise à la CAF? Le Cameroun a brisé le rêve des Fenecs mardi soir au stade Mustapha Tchaké de Blida. Les Fenecs n'ont finalement pas réussi l'épreuve des matchs de barrage. L'ultime cause c'est le sabotage de l'arbitre gambien Bakary Gassama. Des voix s'élèvent d'ailleurs pour récuser le résultat du match et le rejouer en raison d'un arbitrage jugé injuste. L'hashtag refaire le match était en tête des trends mercredi après-midi. Ekorouk a appris de sources bien informées que la Fédération algérienne de football, FAF, s'apprête à porter plainte auprès de l'instance internationale, FIFA, après l'injustice arbitraire subie par l'équipe nationale algérienne. Selon la source proche de la FAF, l'instance de Sharaf Eddine Amara va officiellement contacter la FIFA afin de demander rédemption. Une demande officielle va être envoyée à la FIFA dans les heures qui suivent à propos du match polémique. Un journaliste allemand épingle Gassama. Il s'agit du célèbre journaliste allemand Joscha Berger. Il a fait une grave révélation sur un tweet posté en début de ce matin. Urgent. Selon les indiscrétions de Le Var lors le match Algérie, Cameroun, le premier but de Cameroun n'a pas été vérifié d'une manière adéquate par manque les replays et slow-mo Satan. Puis, ensuite, l'arbitre Gassman a décidé de continuer le match.